Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Starfield. Alors actuellement je suis à la loge, j'ai ramené pas mal de ressources, j'ai modifié certains trucs sur mes armes, j'ai augmenté certains trucs dans mes recherches aussi de composants ou de trucs de ce style-là. Voilà, donc on se rapproche petit à petit de l'objectif qui était d'augmenter ces compétences-là, à savoir combinaison spatiale et création d'armes, ce qui me permettra de mettre des modes plus avancés. Je vous avoue que j'aimerais bien me concentrer sur ça dans les prochains niveaux. Mais en gros, ouais, il me faudrait monter donc de 8 niveaux. Et en plus de ça, il faut que... c'est quoi les trucs? Chercher, fabriquer. J'ai même pas encore le truc des défis là qui est affiché. Donc pour l'instant, je sais même pas ce que je suis censé faire pour les augmenter. Mais voilà, du coup, j'aimerais améliorer ça pour faire des trucs de malade. Au niveau d'ici, j'ai amélioré ça. Vous pouvez désormais utiliser les propulseurs. Ok. C'est cool, je suis ravi de l'apprendre. Je réfléchis à un truc parce que... Il y a toujours cette histoire de vaisseau, je peux pas rajouter des moteurs dessus alors que j'aimerais en rajouter. Je vous avoue, je comprends pas. Alors on m'a parlé d'astromoteur, on va jeter un coup d'œil... justement au spatioport. D'abord je vais parler... Je crois que c'est à Walter je dois parler. Ah non. C'est à Vladimir. J'y étais un peu fort. Pourquoi ? Sacrée expérience de se faire agresser comme ça dans l'espace. Ces astréens ont le sens de la mise en scène. Ah ouais, j'avoue que ça on fait y peur. Retourne. L'Iris peut t'aider à trouver les artefacts. Mais j'ai l'impression qu'il est aveugle à nos nouveaux concurrents. Bah allez, vas-y. Hein, vérifie bien tes contre-mesures et tes verrouillages partout où tu vas, d'accord ? C'est déjà assez dangereux dehors sans un groupe de tueurs fous. Surtout que... Ah, rendez-vous sur Piazzi 2 et Eridani 3A. Donc, en gros, faut que je monte sur ces deux planètes pour trouver deux nouveaux artefacts. Il y aura peut-être même des pouvoirs à récupérer. On va en profiter, on va aller au spatioport. Est-ce que j'ai un moyen d'y aller plus vite? C'est vrai que j'aimerais juste aller au spatioport sans avoir à traverser la ville en entier. On peut se rendre au quartier commercial. Et de là prendre le métro pour le spatioport. Hop. Pour rappel, le dernier épisode, je me suis retrouvé pris en embuscade par un vaisseau avec une structure très particulière qui dit avec une personne à l'intérieur qui était assez agressive, qui disait qu'on volait les artefacts. Et il s'identifiait comme étant un astrien. Visiblement, il en sait beaucoup plus sur les artefacts que nous, donc je suppose que c'est eux qui sont responsables, donc qui sont à l'origine des artefacts. Sachant que pendant notre discussion, notre conseil d'urgence, donc à la loge, il a été avancé le fait que leur vaisseau est sans doute fait du même composant que les artefacts. Donc, ouais, ils sont absolument pas étrangers à toute cette affaire là. Ah, le voilà, ma petite libellule. Mon petit Razor Leaf. Qu'on va essayer de modifier un petit peu quand même avant de partir en mission. Parce que je suis assez paumé, je vous l'avoue. Je peux vous aider? Oui. Et voilà notre nous. Alors, j'aimerais voir modifier mes vaisseaux. Bien sûr. Voilà. Je suis à combien de crédits? Merde. Je suis à 109 000 crédits. Alors voilà, donc ça c'est mon vaisseau actuel. Que j'ai dit qu'il ressemble un peu à une libellule. Et c'est vrai. J'aurais bien aimé que les... attendez, j'ai essayé de... Voilà, constructeur vaisseau. J'aurais bien aimé que ça, je puisse le dupliquer pour le rallonger vers là et que le vaisseau prenne plus de place en largeur. Visiblement, je ne peux pas. Je vous avoue, je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Et ces moteurs-là, peut-être que je vais pouvoir les dupliquer. Si je fais dupliquer sur ça et que je le mets là, il dit que c'est normal. Et si je duplique lui et que je le mets là, il dit une erreur. Alors pourquoi ? C'est bien un truc de classe A. Ça, il n'y a pas de problème. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, ok. Et astromoteur, il est où l'astromoteur? C'est ça l'astromoteur. Donc j'ai un astromoteur Alpha R2000. Classe A, tac, et astromoteur Coque 5. Poussée astroport, puissance maximale 9. On va regarder les astromoteurs justement. Voilà.
Donc moi j'ai un Alpha R2000, c'est ça. Donc il y a lui, qui peut être plus sympa. Et c'est actuellement, je crois, le plus cher qu'on ait d'ailleurs, donc on va peut-être pouvoir l'améliorer. 23,68 et lui on a du 23,76. Effectivement, déjà on va virer celui-là. Non, on va le modifier. On va le foutre ici. Ensuite, on va hop acheter donc le fameux astromoteur qui était là. Ça, c'est un truc de classe C. Ok, donc ça, effectivement, ça peut pas marcher. Et ça, je pourrais pas l'utiliser parce que c'est un truc de classe B. Heureusement pour moi, celui-là est de classe A. Alors lui, il aurait eu plus de puissance, effectivement. Donc, tac. Ici. Et je peux pas en mettre deux l'un au-dessus de l'autre? Ah, je pourrais, mais dans ce cas-là, il y a deux erreurs. Et ça, c'est quoi? C'est des réservoirs. Ok. Ça, c'est un capot. Et là, j'ai mis des trains d'atterrissage. Est-ce que les trains d'atterrissage... Poussée atterrissage. Est-ce que c'est vraiment intéressant une poussée atterrissage du coup? Est-ce que je mettrais pas plutôt deux autres réacteurs? On va les décaler. Voilà, et on va tester de mettre de nouveaux réacteurs. Mais avant ça, il faut que dans la structure, je mette des contrevenants. Contreventement, c'est ça le terme. Contreventement. Hop, et que là je fasse dupliquer, j'en mette un ici. Ça, on va le décaler là. Parce que ça, merde. Ça. Ah! Ça, je suppose que je peux pas mettre là. Ah si. Mais lui. Là, il considérait que ça fonctionne. C'est bizarre. Donc, du coup, là, si j'ai là et que j'ai dans réacteur, non, ça, c'est pas le réacteur, c'est moteur. Voilà. Et qu'en moteur, je tente de mettre. Alors, voilà, celui-là, il est combien? Ah, mais c'est parce qu'il est de classe B. C'est pour ça que ça marchait pas. Moi, il me faut des moteurs de classe A, genre celui-là. Lui, je pourrais le mettre là. Mais là, ça me met deux erreurs, du coup. Et si je le mets là? Toujours deux erreurs. Puissance maximale 3. Alors c'est peut-être parce que je suis censé ne pas avoir de plus en puissance maximale. Là, puissance maximale 2. Est-ce que j'ai des puissances maximales 1? Non. Donc on pourrait mettre celui-là. Par exemple, ici. Et du coup, le dupliquer. On va le tourner et le mettre ici. Et ça marcherait pas. Et ça, je vous avoue, je comprends pas. À moins que ça, faut le supprimer. Là, ils considèrent que ça marcherait parce que poussée de 2. Ok. Eux, ils ont des poussées de puissance maximale 2. Puissance maximale 2. Ouais, le problème est vraiment du fait que. Vous savez quoi, on va quitter. Non, on va pas quitter. Parce qu'il y avait l'achat du. Voilà. Il y avait l'achat de ça là. Donc ça c'était quoi que j'ai mis? Un astromoteur R3000. On va revenir en arrière. Annuler modification. Voilà. Et donc là on va hop, retourner ici. On va supprimer lui. Et on va remettre donc ce que je vous ai dit en astromoteur. À savoir le R3000 qui est ici. Voilà. Pour être sûr que ce soit la bonne modif qui soit mise en place. Et ensuite... Réfléchissons. Visiblement, c'est parce que ma poussée moteur est déjà au maximum. Acteur 20 puissance équipage. Ça, c'est en tout cas, c'est ce que j'ai compris, hein.
Là, on a changé ça aussi, ce réacteur-là, pour en mettre un plus puissant. Là, c'est les quartiers du capitaine. Là, c'est le cockpit. Ça, c'est des trains d'atterrissage. Ouais. Ben, on va rester comme ça pour l'instant, hein. À moins que je fasse ce que j'ai fait la dernière fois, si ça marche. On va tester à nouveau une dernière fois. À savoir mettre ici. Je me souviens plus ce que j'avais fait. C'était dans hop, la structure. Et c'était un contrevent à nouveau. Mais c'était un contrevent sur le dessus. Il est où? Celui-là. Non, c'était pas lui. C'est vrai qu'il y a les moteurs de freinage aussi. Ça, c'est quoi? C'est un capot Nova. On pourrait mettre un capot Nova. Ça, c'est sur les côtés. Pareil. On pourrait mettre celui-là. On pourrait le mettre du coup là, je suppose. Ok. Et du coup, là, cette fois-ci, on irait dans les moteurs. Donc lui ça passera pas. On pourrait mettre celui-là. Genre un seul. Et là ça fonctionne. Bah vas-y hein, on va faire ça. Tac. Accepter. Voilà. On va dépenser 18 000. Ah, mise à jour activité, parler à Samco. D'accord. Parler à Barrett. Alors j'aimerais que mon vaisseau soit Vous avez réparé. réussi à... Il a pourtant l'air déjanté. Ah bah, il est en bon état. Tout m'a l'air en règle. Je serai dans la boutique si vous avez besoin de moi. Alors ils m'ont tous demandé de leur parler. Sauf que moi, j'ai des artefacts à aller récupérer. On va directement aller au cockpit. Et on va voir un petit peu ce que ça donne pour le décollage du vaisseau. Et surtout pour l'alimentation des moteurs. Il n'y a plus aucun espoir. Alors, voyons voir. Tout est si beau vu d'ici. J'ai un certain nombre de points. Ça me rend malade. On traversera ça ensemble, vous en faites pas. Qui actuellement, du coup, ça donnerait presque 200 en vitesse. On arrive à 770 de vitesse. Il reste assez maniable dans l'ensemble, je trouve. Hein. Ok. Donc on va diminuer un peu les moteurs. On va augmenter les astromoteurs. Voilà, comme ça. On va garder un en bouclier. Un comme ça et un comme ça. Voilà. Ça me paraît déjà pas mal. En vitesse max, je suis à ça. Alors attendez. On va enlever en astromoteur. Voilà, pour dépasser les 100 de vitesse. On va s'arrêter à quelle planète pour commencer? Là-bas c'est laquelle? Eridani, le système Eridani, à 1 208 000 années-lumière. On fait chauffer les astromoteurs, ça prend un peu plus de temps puisqu'on a accordé moins de puissance dedans. Ok, ça commence le bordel. Attends.
partirai pas à l'abordage. Essayez de fuir pour voir. Bon. Impossible de les aborder. Du coup, on les détruit. On va tout prendre. Il y a un autre spatiaire qui a fui là-bas. Un vaisseau marchand ici. On va le contacter après. Là-bas, c'est quoi là? Alors, moi, je vais juste récupérer le loot. Ah, il est là. Et ensuite, on va aller parler au vaisseau. Voilà. Ensuite, on a un autre point d'intérêt là-bas, c'est un vaisseau marchand effectivement. Et là, c'est quoi? Bizarre. Ah. Ouais. On pourrait faire de la piraterie, mais non. On va commercer un petit peu. Bien sûr. J'ai quelques articles qui valent le coup d'œil. Ben, j'espère bien. Voyons voir. Alors, ouais, t'as ça éventuellement. Mais ça, j'en ai, je crois, déjà chez moi. Et moi, est-ce que je peux lui vendre? Ouais, je peux lui vendre des trucs. Vendre depuis le vaisseau, je suppose que c'est ça. Ouais, c'est ça. On a ça, du liquide ionique que je garde. Bah, ça, je peux lui vendre. Les 11. Voilà. Ça, on va garder, c'est du composant de fabrication. Et on va lui vendre ça. Et ça aussi. Ah, dans les soins, il y a quelques petits trucs hein, quand même sur le vaisseau. Hein. Oh, ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, donc on va diminuer un peu le système d'armement. Maintenant que le combat il est passé, on va augmenter un peu ça. Mettre 2 points là-dedans. Voilà. Allez, c'est parti. On va au laboratoire abandonné. Donc apparemment, il est directement dans le laboratoire abandonné, l'artefact. Hein. On va devoir sans doute se débarrasser d'extraterrestres ou de spatiaires qui sont à l'intérieur. Et on quitte. Ah voilà. Il y a peut-être pas de. Est-ce qu'on pourra se parler quand vous aurez un moment? Scanner les distorsions. Alors attendez. La bande à une grotte. Un repère naturel. Il y a des distorsions dans le coin. Bah évidemment, enfin, apparemment c'est là-bas, hein. Du bien de voir de la gravité comme ça, tranquille ou pépouze. On vole limite. Ici, là. Oh, déjà il y a une gaz toxique. Ok. Alors on a des trucs là. Qu'est-ce qu'on a? Des munitions.
Au. Au. On peut pas accéder à ça? Bon, ok. Visiblement, ça sert à rien d'y accéder. C'est cassé pour l'instant. Ça va? Tranquille, non? J'ai carrément pris du temps, mon temps pour le buter. Oh, super. Alors tu vas me laisser tranquille, toi, déjà. Voilà, rentre chez toi, toi. Alors, on va faire une petite save pour tenter d'ouvrir ce coffre. Alors, lui déjà, visiblement, c'est bien ici qu'on est censé l'utiliser. Mais pas dans ce sens-là. Ce qui est d'ailleurs étrange, parce que là, il y a deux choses qui conviennent. Donc... lui pourrait fonctionner ici. Lui ici, parfait. Ensuite, il me faut un truc en 3. Genre celui-là. Non. Celui-là peut-être. Non plus. Celui-là non. Utiliser ça et lui ici. Ok, ensuite lui ça pourrait passer là, sauf qu'on a lui là qui, non lui il passe pas, il passe peut-être dans l'autre sens non plus. Lui pourrait passer là. Et lui, il passe ici. Parfait. Maintenant, on a ces deux-là, là. Donc, ça passe pas. Donc, il faudrait deux trucs en 3 à chaque fois. Donc, on a celui-là. Est-ce qu'il pourrait passer et faire l'affaire? Il pourrait faire l'affaire ici. Et lui... Non, pas lui. Lui, voilà. Il fait l'affaire là. Super. Bah oui, on va prendre tout ça. Tout prendre. Parfait. Oh, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Ah non. Mais ça va, oui. Wouah. Oh là là, ce que j'ai fait. Mais il est passé où? Ah, il est là. Ah non, c'est Andrea. Mais what the fuck, elle décolle à travers le mur quoi. Tu peux pas me battre. Ouais, lâche. T'as la... Oh, il y a un truc rouge en bas, attendez. On va aller voir c'est quoi. Ah d'accord, c'est juste un débris. Ah non, mais elle a pas décollé à travers le plafond, il y avait juste un trou. Ouah, je suis nul en fait, je suis pas réveillé moi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait un corps ici. On a même plusieurs corps là d'ailleurs. Ok. Bon, pour l'instant, je peux m'éviter de me soigner. Je savais que je te trouverais. Ah! Regarde la mort dans les yeux. Ah, il faut que je reste vigilant, moi. Alors, ça, on s'en fout. Ça, je vais prendre. Ah super. Augmente de façon permanente les dégâts critiques des armes basiques de 5%. Ça c'est une bonne chose. Hop, on a un petit aligneur ici. Oh, un composant exotique. Super. Une grosse caisse de stockage, des munitions, parfait. Raffiné Maelstrom.
Comment ça, raffiner? On va voir ce que ça signifie du coup. Ok. Alors, voyons voir. Non, c'était dans nouveaux objets. Ah si. J'ai obtenu ça quand moi? Ah oui, c'est mon arme ça. Celle que j'ai améliorée. Ok. D'ailleurs, il va falloir que j'utilise. Ok, je sais pas pourquoi elle est marquée en raffiné celle-là. Par contre, 17 de dégâts. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle est marquée en raffiné, parce qu'elle fait plus de dégâts. Parce que là, par exemple, l'autre... elle est où? L'autre Maelstrom que j'ai, elle fait moins de dégâts en étant en hippique. Après, elle a pas tous les effets aléatoires. Donc je sais même pas si c'est intéressant de garder une arme en raffiné, quoi. En vrai. Je pourrais très bien la jeter. On va la garder, on l'utilisera pour la revendre. Ça, par contre, je vais l'équiper. Si je l'ai augmenté, c'est pour l'utiliser, celle-là. Pas pour la regarder dans mon inventaire pendant 10 000 ans. Ok, donc au prochain épisode, on descendra dans les tréfonds de ce laboratoire abandonné et on verra ce que ça donne et ce qui nous y attend. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, le commenter, le liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, chatons, c'est Looping. Bye bye.